Thank you.
encore cette chanson. Je pense que Dieu est en train de dire à quelqu'un, tu t'inquiètes trop pour rien. Il est le rocher. Rentrer le soir, la sœur Solange paniquait tout simplement. D'habitude, je ne parle pas comme ça, mais je lui ai parlé comme ça. Elle m'a dit, pasteur, j'ai failli perdre toute ma famille. J'ai dit, et alors, est-ce que c'est toi qui les protèges? C'est pas toi qui les protège, c'est lui qui les protège. Même si tu voulais, tu ne peux pas les protéger. Jésus est le rocher, c'est lui qui garde, c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui protège. Il est le rocher, il est le rocher, il est le rocher, il est le rocher. Tout dépend de lui. Si tu as aujourd'hui, c'est Jésus. Si tu n'as pas, c'est Jésus. Si tu es vivant, c'est Jésus. Que tu meurs, c'est encore lui. Que tu manges, c'est lui. Que tu ne manges pas, c'est lui. Que tu sois guéri, à lui soit la gloire en toutes circonstances. Il est le rocher de notre vie. Il est le rocher de notre vie. Alléluia. Mais ne sois pas inquiet aujourd'hui. Jésus est le rocher. Il est le rocher. Alléluia. Il est en bas, il est en haut, il est en avant, il est en arrière, il est à gauche, il est à droite. Il veille. Celui qui veille, veille en vain. Si l'Éternel te veille. Il est le rocher. Amen. Attends nos mains pour le rocher. Juste vous asseoir pour un moment, ça concerne le stationnement, le parking. Amen. J'allais oublier, mais merci Seigneur. Maintenant, nous avons un nouveau management avec le stationnement de l'autre côté. Et il est clair que nous avons quand même des petits problèmes. Amen. Parce que non seulement nous grandissons, mais la population aussi grandit, le trafic aussi là-bas grandit. Maintenant, nous allons à produire des vignettes.
parce qu'ils vont commencer, on leur a dit pour ce dimanche, c'est bon, peut-être pour le dimanche prochain, on ne sait pas où on va se retrouver, mais le mercredi, on va savoir. Si vous avez un véhicule et que vous venez à l'église, il faut que vous ayez une vignette de l'église. Et s'ils vont vous stationner dans le stationnement sans vignette, ils vont remorquer plutôt votre véhicule. Amen. Alors, ça va commencer à partir de dimanche prochain, probablement. Mais ils nous demandent de stationner dans cette section ici, vers l'église, c'est-à-dire en arrière de l'abribus, cette section. Et d'essayer d'éviter de stationner le plus proche des magasins pour permettre à leurs clients de faire usage du stationnement. Maintenant, vu que la place est petite, ils ont dit qu'ils vont dégager un espace en arrière du restaurant Mamas. Il y a aussi un espace là-bas. Nous pourrions mettre nos véhicules là-bas si cet espace ici déborde. Amen. Mais nous allons avoir des vignettes et nous allons essayer de garder nos véhicules dans l'espace ici et à l'arrière du restaurant, vraiment si l'espace est plein. Amen. Et bien, il faut absolument avoir une vignette. Maintenant, en semaine, dans la journée, même si tu as une vignette, évite de stationner là-bas. De toute façon, dans la journée, nous ne sommes pas là. Mais jusqu'à 18h, on ne va pas stationner dans le stationnement. On va stationner sur la rue. Mais bon, de toute façon, nos services ne seront jamais en semaine. Ça, c'est plus pour ceux qui viennent travailler ici, donc durant la semaine. Mais le soir, à partir de 18h, ils vont demander à ce que nous pouvons utiliser le stationnement à partir de 18h en semaine. Et quand il neige, au plus tard à 22h, nous devons sortir le voiture du stationnement à cause du déneigement. Parce qu'ils viennent pousser la neige et toutes ces choses. Donc si nous coopérons, nous aurons toujours une place pour stationner nos véhicules à un prix très 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 abordable. Très très abordable. Donc, nous voulons garder cette bonne relation. Amen. Donc, si vous avez un véhicule, faites tout. J'espère que ça va être prêt le dimanche prochain, les vignettes. On espère même mercredi, si on a les vignettes, on va les sortir. On a une période de grâce. Bientôt, il va falloir avoir une vignette de l'église pour stationner dans le stationnement. Sinon, ils vont remorquer votre véhicule. Amen. Maintenant, si on pouvait se lever tous ensemble, les enfants vont descendre dans le sous-sol avec leurs enseignants. Les restants de la congrégation, si on peut juste tourner autour de nous, serrer la main de 5 personnes et trouver une personne que vous ne connaissez pas par le nom. Dites-leur, je m'appelle Ken, comment vous vous appelez? Que Dieu avec un sourire. Thank you.